Bonjour tout le monde, c'est TG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Two Point Campus. La dernière fois, on avait fini en 3 étoiles à Mytown University. Aujourd'hui, on va ici. Nous allons à Nobelstead. Préserver les traditions de la chevalerie, défendre votre campus contre la concurrence locale. Bon, 250 000 de départ, ok. C'est quoi ça? Oh, je sais pas. Mais Kudo, on en a plein, vous avez vu? Je vous expliquerai. Commencez! Ah, Nobelstead, la ville où c'est tous les jours hier. En effet, certaines mauvaises langues disent que leur communauté est restée dans le passé. Mais le passé, c'est aussi la tradition. Et que sont les traditions sinon des choses que l'on fait toujours? Ça fait réfléchir, hein? Bienvenue à Nobelstead, où rien n'a changé depuis des centaines d'années et où les chevaliers vagabondent dans la rue, dans les rues comme si de rien n'était. Jouent toujours, telle est leur devise, car être un chevalier c'est bien plus que se montrer poli et avoir des chaussures en métal. Tout réside dans l'esprit de compétition que les meilleurs chevaliers gagnent. Alors, nous avons donc Lord Blagar. Salutations et bienvenue à Nobelstead, dernier grand bastion de la chevalerie de Two Point County, Tayo. Je suis Lord Blagar et je dirige l'école de chevalerie de l'autre côté de la ville. Ça a toujours été ainsi. J'ai suivi les traces de mon père, et lui celle du sien, et lui celle de l'oncle Denis, du côté de son père. Et... Vep. Nous attendions une bonne compétition amicale depuis des centaines d'années, place à la joute Tayo. Ok. Alors, prérequis du campus, un amphithéâtre, un terrain de bataille, un pédagogue en école de chevalerie. Donc, nous avons une école de chevalerie et on pourra faire tout ça. Culture générale, ça c'est intéressant. Très bien. Très très bien. Du coup, on va commencer par faire l'amphithéâtre hein, que tout le monde connaît. Hop. Tac 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 là je vais faire les salles un peu plus grandes maintenant tout simplement pour pouvoir plus tard quand ils les demanderont passer la salle prestige level XX là. Voilà j'ai pas fait la porte. Pour le coup, je vais la mettre... Je vais la mettre là. Et on valide un terrain de bataille. Alors, ça doit être dehors, ça, quand même. Terrain de bataille. C'est du 5x5. Il nous faut des drapeaux, ok. Et ce truc là. Je sais absolument pas ce que c'est. Ah, c'est pas mal, oui, c'est pour entraîner, ok. Et un pédagogue en école de trucs mûches. Ça déplace plus vite, à travailler dans un orbital. Ok. Embaucher. Et c'est parti pour la nouvelle année. Ce qu'il y a de chouette dans la vie d'un chevalier, c'est le danger permanent. Une fois, je me suis pris une lance perdue dans la bouche alors que j'étais sur les toilettes. Un campus noble et bon se doit de fournir des soins médicaux. On a beau porter une armure, on n'est pas invincible. Les étudiants vont versement se blesser pendant un... Construisez une infirmerie et recruter un... Ok. Ça peut être sympa, ça construit une salle. Intérieur. C'est du 3x3. Donc je vais l'agrandir un peu.
Voilà. On va faire un couloir ici, en fait. Donc là. Ce bidule ici. Et on va mettre le petit bureau, oui. Ça me fait plaisir. Et un assistant. Toi, t'es parfait. On n'oublie pas le concierge, toujours important. Vous avez beau avoir gagné une bataille ou deux, Lord Blagar n'abandonne pas si facilement, peu importe ce que disent les rumeurs. Cela me met du baume au cœur de voir de nouveaux Noble Steel engagés dans une glorieuse bataille. Que les meilleurs chevaliers gagnent. Hop. Et donc, pour la première étoile, il faut soigner 5 problèmes médicaux. Il faut taux d'attrait de 75%. Validez des cours d'école de chevalerie avec une note de B+, et débarrassez-vous de 15 envahisseurs. Quoi? Ok, on va essayer de faire ça. Nous avons donc nos chambres, toilettes et douches. Votre campus est un vrai succès, Taïo, mais comment vous en sortirez-vous contre les chevaliers crottins de Noble Steel? Voyons voir ça. Ok. Votre campus peut se faire envahir de vils conspirateurs ou de chevaliers pleins de bonnes intentions. Les concierges qualifiés en sécurité chassent les visiteurs indésirables avec une facilité relative à un minimum de larmes. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire plusieurs choses. On va faire du basique encore. On va faire la salle de tutorat, la bibliothèque. Pour l'instant. Et on va aussi faire le laboratoire de recherche. Oui, on va faire ça. Donc, alors, comme vous avez pu voir, j'ai fait une bibliothèque, j'ai fait deux tutorats, j'ai mis les boissons, et ici, j'ai fait le centre de formation pour pouvoir former nos concierges pour combattre l'envahisseur, tout simplement. Hélas, vous avez défait mes chevaliers avec Maestria. Qu'importe, ils en prendront la graine. Plus votre campus est couronné de succès, plus vos rivaux s'acharneront à saboter nos projets. Recruter et former des concierges qualifiés en sécurité pour les invasions plus rudes liées au niveau de votre campus. Ok. Donc c'est clairement ce que j'ai fait en formant les gens, donc c'est parfait, je vais continuer à former. Pas toi, mais toi. Sécurité, commencer la formation.
J'ai des étudiants qui veulent rejoindre un club, donc on va commencer à faire des clubs. Là, ce sera réservé au club. On va faire un truc plutôt comme ça. Ah, et j'ai deux envahisseurs qui vont arriver. L'année universitaire est terminée, les résultats sont tombés à la cérémonie. Année 1, aperçu. Ça vaut le quoi? Ça vaut le coup de les voir. Ok, concierge. On a 3 échecs, 7 qui continuent. Ok. Il n'y a pas de meilleur défi pour un chevalier que le terrain de Jouch. Je sais de quoi je parle. J'étais champion il y a fort longtemps. C'est peut-être le moment de remonter en selle. Je n'ai pas trop divulgué la suite du scénario, j'espère. On va construire donc ce terrain de shoot. Faut du 12 x 8. C'est long ça, bien. 12 x 8. Passe ton truc. Ça fait beaucoup, hein, je crois que j'ai passé. Ah si. Gérer les formats. On va pas faire parce que autrement ça va nous coûter une blinde. On va commencer la truc. Commencer la nouvelle année. Bon après, vous connaissez le bail hein, maintenant, faut attendre. J'ai deux envahisseurs qui arrivent, j'ai les concierges qui vont faire pour. B+. Tadam, le premier, voilà, comme je vous dis, il faut attendre. Et les problèmes médicaux, pareil. On va attendre. Un petit truc aussi, quand vous avez des quêtes, attendez un peu. Genre là, vous voyez, j'ai attendu, il n'y en avait que deux, maintenant il y a 6 personnes, il n'y en a pas beaucoup dans le campus. Donc 6 personnes, c'est assez bien, je vais configurer leur événement. Ça leur fera plaisir. L'année est de nouveau finie. Hop, on affiche les prix. Nous avons aucun prix, quelle tristesse. Mais nous avons un taux de réussite de 100% continuation. Continuation 17 résultats d'examen moyen, 72%. Nous avons toujours que un seul B+. Le taux de trait augmente. Comment augmenter le taux de trait? C'est très très simple. Regardez, messieurs dames. Ce sont simplement les plantes vertes. Vous mettez des plantes vertes un peu partout. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pas grand-chose hein, pendant cette année. J'ai juste rajouté des bancs là avec des poubelles ainsi que des plantes vertes pour monter les traits. Et les bancs, c'était une demande d'un truc. J'ai mis ça et ça à côté amour parce que c'était encore une demande. Et sinon, j'ai rien mis à part... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la plante qui est mal mise. C'est rigolo parce que là, vous voyez, ça marche alors que là... ils disent qu'il y a un problème. Voilà, là ça marche. J'ai rajouté juste 2-3 chambres. Et le truc de marche ici, c'est tout. L'attrait monte, les bébés ça monte, les envahisseurs ça monte, les B+, ça va augmenter, je vais embaucher quelqu'un si mes revenus me le permettent. La prérequis un autre terrain de bataille et un pédagogue en un autre terrain de bataille, c'est ça un terrain de bataille? Donc on va le faire directement, ça en fera deux. Alors attendez, parce qu'on va pas s'embêter. Vous voyez là on peut prendre l'objet entièrement. Hop. Du coup, ça me permet... Mince. Je suis bête. Voilà. Hop. Du coup, ça me permet d'en prendre un autre.
et de le mettre à côté. On va essayer de gagner de la place en fait. Même si ça sert à rien apparemment. Je valide. Nous avons... il faut une... Alors attendez, je fais tout pour être sûr. Un autre pédagogue, celui-là il est bien. À part qu'il fasse tomber ses déchets, il nous en fallait un hein, de toute façon en plus. C'est parfait, nous avons 60 points. Vu qu'on va se concentrer sur la note, on va augmenter ça. Je confirme. Ok, ça me demande pas plus. Alors je l'augmente encore. Voilà, confirmé. Ok, c'est bon. Je commence la nouvelle année. Les 5 problèmes médicaux sont faits. Les envahisseurs, ça se fait comme ça. Waouh, 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 waouh. Vous avez vu tout ça? F quoi. Année 1 sur 3. Waouh. On va regarder le terrain. Est-ce qu'on peut acheter d'autres terrains? On a ça à 40. Ah, tout fait 40 000. Il y a quoi d'autre comme terrain, fini? Il y a que ça comme terrain? Ah non, il y en a un là. Même pour. Ah, il y en a un là. 90 000! Ah ouais, en interne là, 65 000. On va faire le 40 000. Hein. Allez, on va acheter le terrain. Hop. On a 5B+, on est à la moitié, 65% d'attrait. On va y arriver, on va y arriver. C'est juste long, faut attendre. Je pense que bientôt les vidéos, ça sera une étoile par vidéo, tellement c'est long. Après, il n'y a pas vraiment grand chose de particulier. L'année universitaire est terminée, les résultats, blablabla, affichez les prix, aperçu. Oh! Attribué au campus avec les meilleurs clubs. Ok. Diplôme 7, continuation 33. Pédagogue nécessaire. Ok. Il faut un autre terrain de shoot. Alors on va essayer de faire le même que celui-là. Heureusement que j'ai acheté un terrain, j'ai envie de dire. Ouais. Heureusement. On valide. Du coup, ici, je pense qu'on va faire de l'école. Et ici, ben... ça, quoi. Grosso modo, on va faire ça. Hein. On va placer cette fameuse tour de dragon qui me demande tout le temps. On va mettre là. J'optimise la place. Voilà. Elle est jolie, hein. Moi j'aime bien. Ah, il y a un petit. Regardez les petits rangs. Tout ça. C'est sympa, j'adore. De nouveau, l'universitaire est terminé, c'est très long, je vous dis, je fais rien. Là, honnêtement, voilà ce que je fais. Je m'amuse à planter des petites tulipes. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a fait des recherches, on a fait formation que vous voulez après. On a l'année numéro 4, on a deux
Ça vaut le coup de les voir, meilleure formation. Et meilleur club, comme d'hab, on a 11 diplômés, 50 continuations et 71% de résultats aux examens. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai planté des petites tulipes, comme vous voyez. J'ai blindé ici deux rooms, toilettes, douches. J'ai mis ce petit truc qui est en référence au club parce qu'ils en avaient besoin. J'ai fait une recherche pour comment ils appellent ça déjà? Les mannequins, voilà. Et puis c'est tout. Il ne me reste plus qu'un B+ à avoir pour avoir la première étoile. Et ça sera encore à la fin de l'année ou un truc comme ça, je pense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je fais et tout. Dans les formations, on pourrait monter ça encore. Non. Non, non, on va garder. On va garder. On va commencer la nouvelle année. Et de sûr, demain, commencer la nouvelle année. Voilà. Et puis, bah, let's go. Je reprends après. Ouais, au pire, je ferai un petit spin machin truc parce que je vais m'amuser à décorer ici. Réussi. Nouveau campus débloqué. Oulou, on est où? Poule. Le campus poule de la étrangement. C'est pas mal, c'est pas mal. On a aussi débloqué le fluff Burrows. Je sais pas c'est quoi, je vois pas la référence. Étagère de la nature, une taupière. Ok, ok, plus 10 000 dollars. Et 100 kudo. Alors, un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Hop, je finis ça. Voilà. Et de voir ce que... Pourquoi je commence de nouveau? Maintenance de l'amphithéâtre qui... J'ai pas fait attention. C'est ça. Voilà. Ça, je savais pas. Vous savez quoi, ça me stresse. Donc. Il y a un méchant là. Il y a un méchant là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Hop. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? Mécanique. Ça, c'est maintenance. Prépare-moi ça, s'il te plaît. Promis, je ne te vire pas après. Voilà. C'est parfait. Donc, on regarde vite fait la deuxième étoile. Gagner
tournoi de joute x3, construisez un terrain de bataille, un terrain de joute et une infirmerie de niveau 5. Il faut 80 étudiants sur le campus et développer des nouvelles relations amoureuses. Ça en fait des choses à faire, hein. Ça en fait des choses à faire et c'est long. C'est très très long. Du coup, nous, on va se laisser là. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'avais fait. Du coup, pour l'attrait, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai blindé, du coup, un room. Là, j'ai remis des toilettes là. J'ai remis un tutorat ici. J'ai mis des tables parce que je pense qu'ils en avaient besoin. Ici, blindé de room, comme vous pouvez le voir. Ainsi que des toilettes et des rooms. Et puis après, on a fait un coin végétation ici. Avec des petites sculptures, une autre tour, des arbres. Grosso modo, rien d'extraordinaire. Ce sont des trucs basiques. J'ai rajouté aussi des petites plantes là que vous pouvez voir. Mais sinon, rien d'extraordinaire. Pour l'instant, ça joue sur la longueur, rien d'autre. Hein, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Puis il y a les petites attaques de temps en temps. Il faut faire les formations ainsi que les recherches histoire d'être à niveau contre les attaques et puis pouvoir aussi débloquer tout ce qui est armure pour les bonnes notes. Du coup, on doit construire un terrain de bataille, un terrain de joute et tout ça. On fera ça la prochaine fois. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.